solidarité. So. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σύντροφε Πιέρ, είναι τιμή μου που χαιρετίζω το 37ο συνέδριο του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ενός κόμματος ιστορικού και ένδοξου που στην ελληνική αριστερά παρακολουθούμε πάντα με σεβασμό και ενδιαφέρον. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, της Κεντρικής Επιτροπής και όλων των μελών του κόμματος. Chers camarades, camarade Pierre, c'est un honneur pour moi de saluer le 37e congrès du Parti communiste français, un parti historique et glorieux, conçu dans la gauche grecque, toujours avec respect et intérêt. Je vous transmets aussi les salutations de notre président de parti et premier ministre de Grèce, Alexis Tsipras, du comité central du parti et de tous ses membres. Le gouvernement grec, avec Syriza comme composante principale, livre un rude et quotidien combat pour remettre le pays sur pied contre des adversaires puissants, tant dans notre pays qu'à l'extérieur de celui-ci. Nous avons négocié avec fermeté face aux élites néolibérales conservatrices et contesté ouvertement la logique de la politique d'austérité et la xénophobie qui dominent dans les centres de décision européens et qui ont mené notre maison commune à son impasse actuelle. Nous allons faire une traduction commune avec la camarade. Puisque nous avons décidé que nous tenons aussi à la parité, les Grecs comme les Français. Alors, nous sommes parvenus à un accord difficile mais gérable, malgré l'insistance de certains cercles européens puissants qui, nous le savons tous aujourd'hui, essayent de pousser la Grèce hors de la zone euro. Nous avons agi et nous agissons contre les intérêts de l'oligarchie et de la corruption qui, dans notre pays, sont profondément implantés dans les médias, dans les institutions économiques et dans les mécanismes étatiques, contre tous ceux qui, par leur politique, ont créé une Europe impuissante à gérer ces problèmes avec solidarité et efficacité, une Europe qui a de nouveau face à elle, aujourd'hui, le cauchemar de l'extrême droite et du néo-nazisme. Dans ces conditions incomparablement difficiles et dans un pays en faillite et sous tutelle, notre gouvernement est parvenu à gérer humainement, et c'est le seul en Europe, une crise des réfugiés sans précédent qui a pu offrir une planche de salut et un peu de dignité à des gens anéantis par les horreurs de la guerre. Nous avons pu fournir également une couverture médicale à 2,5 millions de Grecs non assurés, mais aussi à chaque étranger ou réfugié, quel que soit son régime de séjour dans notre pays. Nous avons réussi à mettre en route, en temps de crise humanitaire, un programme assurant un minimum de sécurité à nos concitoyens les plus pauvres, à réaliser également les premiers stades de l'assainissement et de la reconstruction des institutions étatiques, et à mettre un terme au régime de non-droit dans les médias, en lançant un appel d'offres pour des licences de télévision, à donner la possibilité aussi aux enfants d'immigrés d'acquérir la nationalité grecque, à étendre le PACS aux couples du même sexe. Nous avons aussi fait voter par le Parlement grec la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Et tout cela sans nous écarter des objectifs financiers restreints dont nous étions convenus, et en ayant le souci permanent de redistribuer le fardeau de l'austérité forcée aux plus riches et de réprimer la fraude fiscale des oligarques et la dissimulation des fonds non déclarés dans des paradis fiscaux étrangers. Tout récemment, le gouvernement grec est parvenu également à arracher un accord positif qui met la dette grecque sur la voie de la restructuration, une dette dont le poids étouffe tout espoir de développement de l'économie grecque. Rien ne nous a été offert. Ce fut entre autres le résultat d'un effort intensif pour mobiliser la solidarité pan-européenne et organiser une alliance des forces progressistes et de gauche en Europe. Une alliance capable d'endiguer l'austérité maintenant, aujourd'hui, et d'élaborer demain un modèle alternatif pour notre avenir européen commun. Nous espérons
que l'expérience de l'année dernière et le prochain congrès du Parti de la gauche européenne traceront le début d'un nouveau cheminement dynamique de la gauche européenne. Précisément parce que nous savons, et vous aussi le savez, qu'un gouvernement de la seule gauche ne peut pas renverser, plutôt un gouvernement de seulement une seule gauche d'un seul pays, ne peut pas renverser un équilibre des forces implacables, parce que la solidarité entre nous est ce qui créera le modèle d'une autre Europe, mais aussi parce que la lutte de chaque peuple contre la pauvreté et le chômage, tout comme la lutte courageuse des travailleurs français et de la jeunesse, est la lutte de tous les peuples. Plus le néolibéralisme s'intensifie et plus il devient agressif et autoritaire. Plus se multiplient les signes de généralisation de la peur et d'indignation aveugle des citoyens face à l'avenir qu'il prépare pour lui. Donc pour éviter le scénario cauchemardesque de cette peur et cette indignation venant alimenter les forces du populisme d'extrême droite, il est nécessaire que la gauche et les forces progressistes entrent avec force dans l'arène de la contestation de l'Europe néolibérale. Déjà, dans un nombre croissant de pays de la périphérie européenne, la gauche se renforce, tandis que se multiplient les forces social-démocrates qui semblent avoir des réflexes de gauche et semblent souhaiter composer avec la gauche. Soyons gênés de reconnaître que c'est le résultat de la prédominance et de la justification de nos propres idées et de notre propre lutte. Les rapports de force politiques en Europe sont une lutte constante et dans cette lutte, personne n'est de trop. C'est précisément pourquoi nous soutenons très chaleureusement la proposition du camarade Pierre Laurent dans le cadre du Parti de la gauche européenne de la tenue d'un forum annuel qui resserrera la collaboration entre les partis progressistes et de gauche et les gouvernements, les syndicats et les différents mouvements dans toute l'Europe. Syriza prépare son congrès qui aura lieu très prochainement. Des termes et des conditions préalables ont été fixés qui, s'ils sont validés, ouvriront de nouvelles voies. Nous devons regarder vers l'avant pour décrire avec une estimation sérieuse la feuille de route du lendemain. Nous devons faire notre propre évaluation dans le domaine gouvernemental, mais aussi dans le domaine de la problématique au sein de notre parti. Nous sommes un parti de la gauche radicale dans un gouvernement au milieu d'une crise économique, mais non seulement d'une crise économique d'un pays, mais dans une Europe où le néolibéralisme domine. Le congrès de notre parti répondra aux questions cruciales qui sont apparues tout au long de la période précédente, arrêtera les résolutions pour donner l'empreinte des cheminements parcourus, de ceux qui sont tracés et de ceux que nous allons suivre. Et maintenant, le camarade continue pour vous faire entendre notre belle langue et finir avec sa conclusion en grec. On traduira après. Τέλος, ευχόμενος καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, επιτρέψτε μου να καλέσω όλες τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς της Γαλλίας να συσπηρωθούν γύρω από ένα κοινό υποψήφιο στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Μια υποψηφιότητα που θα εκφράσει το νέο δυναμισμό της ευρωπαϊκής αριστεράς, που θα αναχαιτήσει τις ορέξεις της αντιδραστικής δεξιάς και που θα δικαιώσει το μεγαλειώδη αγώνα των Γάλλων εργαζομένων και της νεολαίας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στις εργασίες. Ευχαριστούμε, σύντροφε. Enfin, en souhaitant bonne chance au congrès, permettez-moi d'appeler toutes les forces de la gauche radicale en France à se rassembler autour d'une candidature commune lors des prochaines élections présidentielles, candidature qui exprimera le nouveau dynamisme de la gauche européenne, qui freinera les appétits de la droite réactionnaire et qui justifiera le glorieux combat des travailleurs français et de la jeunesse. Je vous remercie et bonne continuation. Merci, Panos Rigas, secrétaire général de Syriza. Secrétaire général de Syriza, pour ta présence. Et transmet le salut et l'amitié des communistes français là-bas en Grèce. Merci, Panos.